Il y a le shutter, l'ouverture et les ISO. Voilà, en gros, c'est à peu près tout ce qu'il y a à prendre en main assez rapidement. Muchísimas gracias. Les Espagnols sont tellement gentils. Ce que je vous propose, c'est un POV d'une quinzaine de minutes à peu près sur des photos à Santiago, vues par WAM, faites par WAM. Et je vais essayer de vous faire des blagues en même temps. Alors, la plupart des photos que vous allez voir dans cette vidéo ont été retouchées avec mes presets. Certains sont sortis, d'autres ne sont pas sortis. Quand les presets ne sont pas sortis, c'est que je suis en train de les peaufiner pour qu'ils puissent s'adapter à toutes les photos que vous faites. Si c'est pas sorti, c'est indiqué, ne vous inquiétez pas. Si c'est sorti, c'est indiqué également, ne vous inquiétez pas. Dans toute situation, ne vous inquiétez pas, parce que s'inquiéter, ça ne sert à rien. Alors, je vais te raconter un petit peu ma vie, parce que j'ai pas eu le temps de le faire très bien dans cette intro. Alors, en gros, j'ai été envoyé ici par un magazine japonais. Et en fait, la personne qui m'a contacté s'appelle Joe Moriyama. Joe Moriyama, c'est un japonais, photographe également, que j'ai rencontré à Barcelone en juin 2018. Alors, on s'est parlé l'équivalent de, franchement, 5 minutes. Et lors de notre échange, il a fait des photos au parc de street de Barcelone, là où j'avais l'habitude d'aller. Et pendant qu'on faisait les photos, on a un petit peu parlé. Et il est revenu vers moi il y a un mois environ, en me demandant si j'étais dispo pour un projet. Donc moi déjà, je me dis, putain, il se rappelle de moi, c'est ouf. Et je lui ai dit, ouais, je suis dispo pour un projet, il n'y a pas de souci. Et il m'a dit, voilà, en gros, ce que je voudrais, c'est que tu ailles à Santiago de Compostela. Pardon, que t'ailles à Santiago de Compostela faire des photos de pèlerins. Donc, partant de là, c'est un mec que j'ai vu 100 minutes dans ma vie qui me propose de faire un truc à l'autre bout du monde. Vas-y, j'ai dit oui direct, hein, faut pas déconner, j'ai même pas attendu 3 secondes. Et donc nous voilà à Santiago de Compostela. C'est le troisième jour où je suis là. J'ai déjà été en ville, j'ai été à d'autres endroits, j'ai fait un petit peu le chemin des pèlerins. J'avoue, je l'ai fait en voiture parce que à pied je serais mort très certainement. Surtout que j'ai que 3 jours pour faire ce que eux ils font en 3 mois. Je vais te mettre un petit carrousel très rapide des photos qui iront dans le journal. Je vais aller par là. Quand tu prends des photos, il y a plus ou moins 3 trucs auxquels il faut que tu fasses attention. Il y a les ISO, le shutter et l'ouverture. Raté. Alors, le shutter on va l'avoir, le shutter on va l'avoir, le shutter on va l'avoir, le shutter on va l'avoir. Le chaton l'a eu. Il y a le shutter, l'ouverture et les ISO. Voilà, en gros, c'est à peu près tout ce qu'il y a à prendre en main assez rapidement quand tu veux faire de la street photographie et quand tu veux faire de la photo en général d'ailleurs. Les ISO, c'est la quantité de lumière qu'il y a dans tes pixels. Pour faire très grossier, plus tes ISO ils sont élevés, plus ton pixel va tendre vers le blanc. Donc il y aura plus de luminosité. Le shutter speed, c'est la vitesse d'ouverture et de fermeture de ton obturateur. Plus le chiffre est élevé, plus ton obturateur va s'ouvrir et se fermer rapidement. C'est avec une vitesse d'obturation lente qu'on obtient ce genre d'effet sur les cascades, sur les nuages, tout ça. Quand ton shutter speed est élevé, ce sera si tu as besoin de photographier un sujet en mouvement, par exemple un sportif, un basketteur ou n'importe quoi. Et enfin, l'ouverture, c'est comme un œil de chat. Et donc en gros, plus le chiffre est élevé, plus ton ouverture est petite, et donc plus tu verras en profondeur de champ. C'est comme les yeux d'un chat. Comme je te le disais, en gros, un chat, quand il commence à te chasser, au moment où il va vouloir se mettre sur ta main, sa pupille va se dilater énormément, il n'y aura que ta main dans son champ de vision, tout le reste ce sera flou. Et bien un appareil, c'est exactement pareil. La plupart du temps, les gens ils diront de garder des ISO très bas pour avoir des photos très nettes, mais aujourd'hui avec les caméras, c'est plus trop vrai. Il faut pas avoir peur de monter dans les ISO. Moi, il y a des fois où je tape des photos avec 2, 4, 6, même 12 000 ISO, bah parce que j'en ai besoin en fait. Il faut pas avoir peur de monter les ISO pour que ton shutter speed et ton ouverture soient réglés parfaitement. J'étais tellement déconcentré à vous parler que j'en ai oublié de faire des photos. Mais à coup pas. Plaza des universités, allez. Bah non, c'est pas la plaza de la cathédrale. Merde, je suis à l'université. Je crois que la cathédrale, c'est derrière. Là, on va se mettre en F4. Y a pas besoin que ce soit... On va la faire en horizontale aussi. On n'est pas des bêtes, on a le droit. Alors... Alors, moi, mon run and gun, c'est que... mon run and gun, c'est le mode dans lequel je suis le plus souvent. Je suis le plus souvent dans priorité à l'ouverture. Comme ça, j'ai juste l'ouverture à régler. Tous mes paramètres se gèrent en fonction de l'ouverture que je fais. Et ça me permet, en gros, de pas manquer les shots quand je suis dans la rue. Je vais essayer d'aller obtenir un portrait sur les marges de l'université. Hola, me llamo Vincent, soy fotógrafo. Hago fotografía de calle, no sé cómo se llama en español. La cosa que hago más son cara de personas, en plan de... Ah, sí. Retratos. Retratos. Quería saber si me dejaría hacer fotos de vosotros. Ah, sí, 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 sí. Así tan fácil. Lo que me gusta a mí las fotos, hombre. Hombre, ¿y has fotos? Ha llegado la perfecta. Mil gracias. Je dis que bonsoir. Bon, les gars, je vous ai tapé en espagnol de la calidad. Me das un favor. Tengo que explicarlo en español, espera. No en inglés o en francés. En français. Podemos probar. Ah, ouf. Entonces, despacito, como la canción. Il y a deux choses qu'il faut que tu différencies. Ton regard et ton visage. ¿Quieres que mire hacia ahí? Ay, tu niño, qué bonito. Mejor país del mundo. Qué bonito.
Et donc, il y a un truc que j'ai appris aussi au fur et à mesure. Au début, je shootais toujours en vertical pour me conformer, on va dire, et me contenter du format Instagram. Et au fur et à mesure, j'ai appris que faire un portrait en horizontal, par exemple, certes, tu casses un petit peu les règles, mais ça te permet d'avoir une autre vision sur le portrait. Le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort comme ça, ça te permet d'expérimenter des nouvelles choses. Et donc, quand tu reviens sur le portrait, oh mon Dieu! Et donc, quand tu reviens sur le portrait, eh ben, t'es beaucoup plus à l'aise. C'était tout ce que je peux dire maintenant. Allez, à la rencontre de pèlerins. Alors, à 19h30, là-dedans, il y a la messe des pèlerins, tous les jours. Et la messe des pèlerins, à l'intérieur, il y a une cérémonie qui s'appelle le Botafumeiro, si je dis pas de conneries. Et j'y ai assisté, et le Botafumeiro, ça ressemble à ceci. Bien évidemment, je peux pas vous montrer comment je l'ai fait, puisque c'est interdit de filmer à l'intérieur. Et donc, comme je te disais, le plus important, c'est de te mettre sur un mode où t'es à l'aise. Faut pas te mettre sur un mode manuel parce que le mode manuel, c'est le bon mode. Ou parce que Jean-Christophe t'a dit « Ouais, non, il faut que tu te mettes en manuel. » Personne n'a jamais vu une photo en disant « Waouh, super l'ouverture !» Tout le monde s'en branle. Donc, mets-toi sur un mode qui te plaît. Tu vois que moi, par exemple, depuis tout à l'heure, je suis en priorité à l'ouverture, je me suis pas encore mis en manuel. Et shoot, on s'en fiche de ton mode, même si tu veux shooter en auto. Bon, après, le mode auto, je te le déconseille, mais voilà. Moi, je te conseillerais d'être soit en priorité à l'ouverture, soit en priorité au shutter speed, au minimum. Le mode auto, ça fait trop de réglages tout seul et généralement tu rates un peu ton shot. Si tu as le contrôle déjà sur un réglage, ça te permet de te faire la main. L'essentiel, c'est d'être confortable avec sa photo. Donc mets-toi sur un mode que tu sais shooter, sur lequel tu es à l'aise et fais-le. Waouh, il y a un shot ici, vous l'avez vu, il est magnifique. Non, il y a trop d'ombre. Arrêtez de passer. Muchas gracias. Waouh. Hola, perdona, ¿habláis español? Sí. Soy fotógrafo, no pido nada. Trabajo por una revista japonesa y hago un documental sobre Santiago de Compostela. Quería saber si podía hacer unas fotos de vosotros para a lo mejor ponerla en la revista. Vale. Sí. No sé. Muchísimas gracias. ¿Queréis una foto juntos? Sí. Bueno, pues me voy un poco lejos porque es un zoom muy grande. No, por aquí, con la catedral. Obviamente, que me voy para allá. Muchísimas gracias. Los españoles son tellement gentils. Aquí es perfecto. Y si podéis estar como cerca. Aquí, 3, 2, 1. ¿Y nos las puedes mandar? Claro. A ver. ¿Desde dónde has venido andando? Ah, yo no, estoy en coche. Ah, he llegado el martes y me voy el martes próximo y he hecho Sarria, Puerto Marino, Bueno, Santiago y esta mañana estaba en Muchía. ¿Cómo se dice? Muchía. Muchía y... ¿La Costa de la Muerte? Sí. Y esta tarde estaba en Finisterre. Mi trabajo es hablar con los peregrinos. ¿Y de dónde eres? Francés, de Montpellier, del sur de Francia. Sí, sí, sí. Genial. Gracias. ¿Puedo pedir un favor? Sí. ¿Tenéis la credencial? Sí. ¿La puedo ver? Claro. ¿El papel con los tampones? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, credencial. Es credencial. Una vez que llegas aquí y la presentas en la casa del peregrino, lo que te dan es, le llaman la Compostela. ¿Y por qué tenéis este? Es la primera vez que ve este medalla. Eso no, porque lo han puesto en el camino hoy. En un camino, vale. Alguien que le ha puesto el sello y después una medallita con... Una medallita del árbol de la vida. Como con silicona o algo de eso. Buah, espera, que hago una foto. Buah, qué chulo. Esta es la Compostela, que se llama. ¡Oh, no lo tengo en foto, ese! Y luego un certificado también. ¿Ves? Bueno, esta es la Compostela y esto es un certificado de los kilómetros. Los kilómetros que ha hecho, ¿ves? Después de realizar 115 kilómetros desde Sarria. Ah, ¿habéis empezado en Sarria? Sí, empezamos en Sarria. Y esta es la Compostela, que se llama. Compostela de los cuatro. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Vincent. ¿Nos puede hacer tu una foto? Obviamente.